partenariat de l'école avec le CFT Gobelin. Ça nous offre l'occasion de jouer dans leur court-métrage. Eux, ça leur permet d'avoir des acteurs à disposition. Puis pour nous, c'est dans tous les cas très enrichissant à tout point de vue. Action. Vous partez au Salvador? Oui. Bah, je partirais bien. J'ai toujours pensé qu'au tiers-monde, je pourrais faire un tabac. Bah, je partirais bien. J'ai toujours pensé qu'au tiers-monde, je pourrais faire un tabac. Bah, décide-toi vite, comme ça je serais pas toute seule. Tiens, ma chérie. Voilà. Je le lâche, je l'ai passé sans présent, c'est long. C'est mieux, c'est mieux. Elle était cuisinière. Elle? Oui. C'est la meilleure. Moi j'ai ta soupe. Non, mais je ne mangerai pas. Je te dis tout de suite, hein. Les voisins. Bourreau d'un fin. Bon, arrête-toi. Dis-moi plutôt ce que tu veux manger si tu veux pas manger ta soupe. Alors, t'es content? J'ai mangé ton morceau d'andouille. Tu dois te taire ce coup-ci, hein. Comment ça? T'as pas voulu manger ta soupe, tu l'as pas mangé? T'as voulu que j'aille chercher tes mains? Oui, je l'ai cherché. T'as voulu que j'aille manger un morceau, je l'ai mangé, tu cherches encore? Pourquoi, hein? J'ai mangé le morceau que j'ai oublié. C'est affolant! J'ai toujours été tiraillée, moi. Même avant d'être née. Si vous voulez, schématiquement, en tant qu'ovaire, même pas fécondé, j'étais déjà. Oh, c'est merveilleux, la vie! Quand on pense que c'est agréable de porter un chandail en cachemire, et tous les amis que nous avons, si élégants, si raffinés, si intelligents, et quelle chance d'aller régulièrement à la selle! Et aucun problème de parking grâce à Edouard, notre chauffeur si dévoué, qui tourne en nous attendant. D'un autre côté, en tant que spermatozoïde du côté de mon père, j'étais déjà tout le contraire. Faites pas comme tous ces imbéciles qui ne pensent qu'à bouffer, qu'à boire, qu'à s'empiffrer, même pas capable de s'arrêter 2 minutes pour réfléchir un peu à la vie, à la mort, à ce qui les attend. Non! Achetez! N'achetez rien! D'abord, tout ce qu'on achète est déjà pété! Dès l'usine! Et je vous parle pas de ces magasins idiots où on ne trouve jamais rien avec des vendeurs qui puent du bec. Faut m'imaginer, moi, au milieu de tout ça. Ça me tiraille. Je m'en remets pas. C'est quoi, au fond, une pêche melba? C'est déceptif. La melba, c'est con. C'est pas une demi-portion, une galette à la loton, oui c'est un mal. J'aime son des trucs écrasés, ça ma jambe à plomber, tu sens ta balle. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups sans que je râle. Il a des gros biscottos, et ben c'est lui que j'ai dans la peau. C'est le mal qu'il me faut. Que j'ai acheté un nouvel appartement. Vous ne savez pas, il est sensationnel. Nous avons tout refait naturellement et je suis ravie parce que tous les amis qui viennent chez nous me disent « Catherine, votre appartement est formidable. C'est un appartement qui raconte une histoire, qui est chaud, qui vit absolument. »
Absolument. Mais je crois que ce que les gens ressentent tout de suite, c'est que Philippe et moi, on est un couple qui s'adore. C'est amusant d'ailleurs, tout le monde me dit, Catherine, vous êtes une femme, une mère extraordinaire. Pour réussir si bien avec Philippe et les enfants, vous avez sûrement un secret. Non, j'ai pas de secret, je suis moi. L'autre fois, Christophe, adorable, me disait, vous savez maman, mes copains en classe nous ont demandé qui était cette jolie jeune fille qui vient nous chercher dans sa belle voiture de sport. Leurs yeux brillaient, j'en étais presque gênée. C'est vrai, c'est tellement valorisant pour les garçons d'avoir une maman ravissante. J'ai eu peur un temps, je l'avoue, que Delphine soit terriblement jalouse de moi. Mais tout ce qu'il fallait, c'est qu'elle ne se sente pas trop écrasée. Je lui ai laissé espérer, avec tact évidemment, qu'elle aussi serait ravissante un jour. Peut-être. J'ai beaucoup apprécié que Patrice, qui est follement amoureux de moi, ait aussi pensé à déshabiller mon âme. Mon petit amour m'a serré contre lui et m'a prié de me taire. C'est vrai, à un certain niveau de communication, il n'y a plus de place que pour le silence et le contact. Des générations, l'espace, infime. Se réfugie, infime, derrière moi. Je perdrai un sens. Très haut, je suis le mur. C'est levé. Il a mis son manteau parce qu'il pleuvait. Il est parti. Sous la pluie. Je suis allée au marché aux oiseaux. Et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux fleurs. Et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allée au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes, pour toi, mon amour. Et puis, je suis allée au marché aux esclaves et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. And your mama is good looking. Oh, your daddy's rich. And your mama's good looking. I get too hungry for dinner. I like the theater, but never come late. I never bother the people. Your looks are lovable.
yet you're my favorite book of art. Is your figure less than Greece? If you mount a little weeks, are you open to speak when you smile? Don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine. Yes, Valentine's Day. I'm coming between with a saintly. In my defense, what am I to say? We destroy the love. It's our way. We never listen enough, never face the truth. Feeling like a passing song, love you there and then it's gone. Always running over you, tu me gardes à vue. Tu seras ma dernière seconde, car je suis seul à les entendre, les silences et quand j'entends. Elle s'appelait Kennedy.